Thebes, 1290 BC. C'est lui, c'est la momie. Bonjour à tous. Bienvenue, c'est Tommy, ici Bandelettosaur. Spécialement pour l'adaptation en jeu du film La Momie. Le film était très très bien, mais il est sorti déjà depuis un petit moment. Oh là là, regardez ce qu'on va faire à ce pauvre monsieur. On va le recouvrir de bandelettes et le mettre dans un sarcophage avec des vilains scarabées. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, bon, mais. Voilà, tout est là, c'est exactement le film. Ils ont repris les cinématiques tirées du film, enfin, ils ont repris les éléments tirés du film. Voilà, c'est les mêmes, les mêmes scènes que l'on retrouve du film, les mêmes éléments de décor, les mêmes musiques qui sont très très bien au passage. Le film est vachement bien d'ailleurs, je vous le recommande vivement, même si à la fin ça part un petit peu en trip. Et bon, les deux suites, faut oublier, enfin, du moins, La Momie 2, puis juste. Au départ, j'étais très très sceptique sur le jeu. Je me suis dit, oh là là, encore une adaptation de film, mais. Qu'est-ce que ça va donner? Et finalement, j'aime bien, voilà. Je trouve ça assez rigolo. J'aime bien les jeux style Indiana Jones et tout. Puis ça me fait beaucoup rire, quoi, la modélisation des personnages. Et puis le héros, surtout le personnage principal du film, voilà. Rien qu'à voir sa tête en haut sur l'écran, voilà. À gauche, en fait, l'icône de vie est drôle. Et voilà, regardez comment il marque. Moi, c'est le truc que j'ai vu ça direct. Le bonhomme a un problème avec son pantalon. Voilà. Il sautille un petit peu comme un cabri. Je pense, voilà, qu'il a dû avoir un petit problème incontinent dans le désert. Voilà, difficile de trouver des toilettes. Donc, je pense qu'à mon avis, il n'a pas pu tenir et s'est fait dessus. Et voilà. Et là, il va retrouver sa copine en robe de soirée, et même en espèce de nuisette assez aguicheuse. Alors là, regardez cette face complètement écrasée. C'est magnifique, même au niveau des bras. J'ai l'impression qu'il y a un petit temps de retard. Je pense qu'ils ont des problèmes de délai ou de moyens techniques pour adapter le film en jeu vidéo. Du coup, voilà, on arrive dans les ruines d'Amunaptra. Ok, my friend, let's go. Donc voilà un magnifique accent coupé au sabre. Ah, coupé au couteau, même. Oui, on continue toujours, hein. Chez Tommy, c'est des blagues très très subtiles, comme vous voyez. Alors du coup, là, j'ai une torche, donc je peux l'allumer en me déplaçant comme ça près d'une autre torche pour pouvoir me balader avec pendant 20 secondes. Et vous verrez que ça va être très utile, puisqu'il y a un énorme flipping dans le jeu. Donc là, je suis sur une version US du jeu. Et là, on voit qu'il tourne sa torche vers la gauche. Et ça veut dire qu'il y a un ennemi. Et voilà, le mineur est parti en fumée. Et voilà, c'est encore un festival de blagues. Bien que je pense que on trouve très peu de charbon dans le désert. Surtout du pétrole et des momies, voilà. Et je suis en train de manger du papier toilette. Oui, je remercie d'ailleurs le travail pour m'avoir fourni un rouleau de papier toilette. Donc je pense que ça risque de leur créer des problèmes stratégiques, surtout durant leur pause pipi. Voilà, je m'excuse d'avance. Et voilà, on est lâché dans l'ambiance. Voilà, c'est la bonne convivialité. Et puis on essaye de donner un petit peu de baume au cœur pour avancer dans ces ruines très mystérieuses. Qui font sûrement peur, puisque grâce au clipping, on n'y voit pas un mètre devant vous. Regardez, voilà. Là, il fait noir à 4 mètres devant. On ne sait pas sur quoi je vais tomber. Et voilà, il y a un mur juste devant. Et il a caché ce magnifique mineur maudit que je ne voyais pas. Donc ça, c'est quand même assez désastreux pour le jeu. C'est chiant, voilà. On va dire ça tout de suite. Le clipping dans ce jeu est très très chiant. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y avait un mineur. Et du coup, quand il y a un ennemi pas très loin, bah, il va loquer la cible, il va regarder vers elle. Donc du coup, ça, c'est plutôt sympa. Alors, on voit qu'il y a des statues un petit peu comme dans
dans les Resident Evil ou les Tomb Raider, parce que voilà, ça prend Tomb Raider, mais avec tous les défauts de Tomb Raider, mais même encore plus. Donc c'est vrai que déjà, voilà, on peut râler sur du Tomb Raider parce qu'il y a des problèmes de caméra, de jouabilité, mais là, c'est pas mieux. Par contre, les décors sont très bien faits. Il y a vraiment un problème au niveau, par contre, de la modélisation des personnages. Donc là, on est dans, en fait, quand je récupère des fragments de clés en étoile comme dans le film, et ça me permet d'activer des interrupteurs. Donc vous voyez, à chaque petit passage un petit peu plateforme, ouverture de porte, etc., il va ranger son arme, ce flingue. Oulala, la musique s'est arrêtée. Donc là, ça veut dire qu'il faut que j'ouvre la porte en pressant ce bouton et celui-ci. Donc ça, c'est bizarre, je ne comprends pas pourquoi la musique d'un coup s'arrête, alors que, de manière, il n'y a pas d'ennemis et tout. En principe, les musiques changent quand il y a des ennemis. Hop. Là, je sais qu'il y avait un mec à gauche, puisqu'il a tourné la tête. Et là, voilà. Le clipping nous empêche de voir tout ennemi. Donc là, on nous dit qu'il y a un scarabée maudit, voilà, qui surveille les tombes. Donc là, on voit qu'en fait, il va looker vers l'ennemi, donc ça va être un scarabée. Mais que... Ah, là, il y a un mineur, ok. Et par contre, le scarabée, voilà, il faut que je l'écrase, il faut que j'aille dessus, et même à la limite que je prenne la torche. Normalement, on devrait le voir. À moins que je l'ai tué au flingue, je sais pas. On me dit qu'en fait, il y a des trésors cachés dans ces vases. Donc là, voilà, je récupère en fait des trésors, et au bout de 4 trésors, je récupère une amulette. Donc l'amulette, c'est une ancienne espèce de boule de feu qui va me permettre de tuer instantanément mes ennemis. Ah ben voilà le fameux scarabée. Allez tiens, toi un coup de gourdin, voilà, un coup de torche. Alors lui c'est pareil, il va se prendre un coup de gourdin. Tiens allez, sur la tête. Alors là du coup voilà, on récupère encore des trésors. Du coup on a des hiéroglyphes aussi à éclairer, donc les hiéroglyphes quand on les éclaire, au bout de 8 on récupère une vie. Donc c'est toujours sympa, il y a plein de petits éléments un peu secrets comme ça, on n'est pas obligé de les avoir pour avancer dans le jeu, mais voilà, ça vient rajouter un petit peu de contenu, on va dire, au jeu, parce qu'au final le jeu n'est pas super dur. Et là on nous dit que voilà, je peux avec carré plus gauche droite faire des esquives, et attention, vous allez voir la gueule de l'esquive, je fais carré et voilà la magnifique roulade. Donc voilà, la roulade est quand même pas trop mal faite, mais faut quand même un petit peu anticiper, parce que regardez là, je fais carré et tout, donc vous voyez, j'ai mis quand même bien 2-3 secondes avant de faire la roulade. Et voilà, grâce à cette magnifique caméra merdique, ah bah je me suis fait juste tabasser la tronche, quoi, j'ai pas eu le temps de voir l'ennemi arriver, et du coup bah merci le clipping pour m'avoir fait perdre ma vie. Donc je recommence au checkpoint, donc quand je suis arrivé dans la pièce. Donc du coup on avait dit il y a le scarabée, ok. Tiens, hop, toi tu dégages, toi aussi. On va recasser tout ça, on récupère les munitions, parce que cette fois maintenant on sait qu'il y a des ennemis qui vont arriver, donc on va pas se faire avoir. Allez, tiens le scarabée. Donc du coup la barre verte, enfin les pointillés verts, c'est la vie, et par moment on voit du bleu, donc ça c'est la vie des ennemis. Donc si je tire dessus normalement, voilà, ça disparaît au fur et à mesure. Et voilà, et du coup par contre il y a un petit problème, plus de musique, donc c'est un peu chiant. Parce que c'est dommage, je trouve que les musiques sont polyphoniques, donc c'est vrai que y a une qualité plutôt agréable pour la musique. Voilà, là il y a vraiment un problème quand il marche. Hein. Alors du coup on va aller par là, parce que le problème voilà avec ce jeu, c'est que le clipping rend les phases du coup de... Alors du coup ils sont là, voilà. Donc hop, j'en ai tué un, je l'ai entendu tourner. Le clipping rend les phases de jeu assez dégueulasses, quoi, parce qu'on sait pas trop où on avance, où sont les ennemis, etc. Surtout que des fois ils surgissent de n'importe où.
Et vous voyez que, à mon avis, je pense que ce mec s'est carrément pissé dessus, quoi. C'est pour ça qu'il sautille dans son pantalon. On peut le voir par moments, en fait. Voilà, il laisse des traces de pas dans le sol, donc je pense que il va avoir les chaussures mouillées, il s'est pissé dessus, il a le pantalon tout humide, c'est redescendu dans les bottes, et voilà, c'est pour ça qu'il laisse des traces de pas dans le sable, c'est dégueulasse. Voilà, il faudra prévenir la femme de ménage de l'arrivée de ce monsieur, et du coup, on va récupérer une torche, comme ceci, voilà. On va aller un petit peu partir en exploration. Hop, voilà, hiéroglyphe en vêtu, en voilà. Donc là, on va rallumer un petit peu ici. Donc là, il y a un truc à ouvrir. Et hop, on se range la torche, on se l'éteint dans le fion. Donc ça doit pas faire du bien. Je pense même que ça doit lui irriter le derrière. Donc là, il n'y a rien allumé. Ok, on va avancer. Oulala. Donc là, je ne sais pas. Donc là, oui. Il a dit que quelque chose ne tourne pas rond ici. Oui, oui, je pense que tu as raison. Merci, Captain Obvious. Alors, du coup, là, on va avancer. Qu'est-ce qui se passe là? Je crois qu'il y a un vide. Hop. Ouh là là, ça sent pas bon. Allez, première momie, ça commence. Oh là là, et là, il y en a une derrière moi. Voilà, je ne l'ai même pas vu venir. Merci. La caméra, donc là on peut nous dire que je peux grimper sur l'espèce de truc vert, et c'est la folie, la musique est revenue. Voilà, c'est la folie, on est dans l'ambiance. Et là en gros ça nous donne vraiment. Ouh, une magnifique anque. Donc symbole de la vie chez les Égyptiens, et ça m'a fait gagner une vie. Donc je redescends. Ok, pas de dégâts de chute là-dessus. On va monter comme ceci, voilà. Vous voyez, le jeu dans l'ensemble est relativement simple, facile. Si on enlève en fait le clipping, bah, les phases de... Oh là là, oh là là. Non, non, non. Non, c'est pas le moment de mourir. Donc je disais que c'est facile, mais je me fais tuer comme une grosse masse, voilà. Je me fais bouffé par les zombies, du coup j'étais un petit peu pris en sandwich, et il y a des passages où vous allez vous retrouver acculé, bloqué contre un mur ou une paroi sans trop comprendre le pourquoi du comment. Niveau munitions dans l'ensemble, on est plutôt bien fourni, puisque vous voyez là même on a tiré des munitions dans le vide, je suis encore à 30, donc je suis plutôt pas mal. Et sinon après voilà, c'est vraiment du Tomb Raider au niveau du jeu. Il y a des bonus à récupérer, les munitions pareil, vous escaladez pour aller récupérer des trucs, vous tuez les ennemis pour récupérer des fragments de clés pour ouvrir la porte. Ce magnifique bruit de sautement. Donc ce qui est pas mal, c'est quand vous arrivez près d'un bouton comme Lara Croft, vous allez rengainer vos armes. Il va se déplacer automatiquement devant le bouton de poussoir. Alors là, il y a un truc, la musique sent belle. Là. Je sens que... Ouh là là. Donc là, on a carrément des gardiens du tombeau, donc avec des espèces de grosses masses. Donc ceux-là sont un petit peu plus coriaces. Vous pouvez les tuer avec une amulette en un coup, mais c'est vrai que du coup... Oh là là, oh là là. Non, non, non. Non, non, non. Amulette. Tiens, dégage. Toi aussi, voilà. Petit coup d'amulette, ça fait du bien. Et du coup, j'ai plus de vie. Plus de vie, et... Un foutu scarabée dans le coin, j'ai pas envie qu'il me grignote les pieds. Alors, une torche. Est-ce qu'on avait de la lumière dans le coin? J'aimerais bien de la lumière, s'il vous plaît. Je peux trouver ça. Si je saute là, non. Ah là là, quelle galère. Je crois qu'on récupère peut-être un petit peu de santé en passant la torche devant les hiéroglyphes. On va avancer un petit peu, on va prendre les flingues. Comme
comme ça, s'il y a un danger qui arrive. Voilà. Allez, crève, nom de Dieu. Ah ok, là j'ai une torche. On va vite allumer le feu. On va allumer le petit hiéroglyphe là-bas, enfin l'éclairer. Et non, du coup, ça me donne juste de la vie. Parce que j'en ai éclairé 8, mais sinon, je regagne pas de santé. Ça va être le moment de faire attention, surtout que là, j'ai entendu un bruit. Voilà. Il part juste à côté, donc... heureusement que ça loque les ennemis, parce que la caméra, franchement, très très mal foutue. Et là, j'ai failli mourir juste à cause d'un défaut de caméra du jeu. Donc, dans l'ensemble, le jeu... Voilà. Moi j'aime bien, voilà, c'est sympathique, même c'est vrai qu'il y a beaucoup de défauts, qu'il y a des trucs mal faits. Les musiques sont cool, on retrouve bien l'ambiance du film. Et c'est vrai que, voilà, c'est pas un jeu, moi honnêtement je l'achèterais pas neuf à 350 ou 400 boules. Voilà, mais si vous pouvez le trouver d'occasion, vous pouvez laisser chez un ami. Là je dis oui parce que... Excusez-moi. Les aléas du direct. Donc là, on nous dit que on peut retourner des panneaux pour déverrouiller l'énigme. Du coup, voilà. Si vous avez l'occasion d'essayer le jeu chez un pote ou en magasin, en acheter, etc., essayez-le. Mais l'achetez pas plein pot. Pour moi, je trouve que c'est un petit peu cher par rapport à la qualité du jeu. Même s'il y a de très bonnes choses, bien c'est comme Tomb Raider. Honnêtement, Tomb Raider, j'achèterais les yeux fermés à la sortie, même s'il y a plein de défauts, ça on le sait, mais c'est vraiment l'univers qui fait aussi le charme du jeu, puis le côté Indiana Jones, etc. Alors que là, c'est franchement un Tomb Raider en moins bien, qui reprend juste le film, donc moi je vois pas l'intérêt de... d'aller dépenser des 1000 et des 100 dans un jeu neuf qui finalement voilà tire de la licence. Donc là vous voyez il y a des espèces de trappes sur les côtés, donc en fait si je me dépêche pas à sortir je vais me faire aplatir. Attention, hop, voilà. D'ailleurs il a laissé un petit bout de son pied, mais bon, ça c'est la magie des jeux vidéo avec du coup les bugs de texture. Donc voilà pour le jeu, j'ai dit ce que j'avais à dire, plutôt sympa malgré tout, il y en a qui vont aimer d'autres noms, il y a des choses bien et pas bien. Voilà, la musique c'est dommage que ça s'arrête comme ça par moment, parce que c'est vraiment très sympa. Et les cinématiques tirées du film, ça met vraiment dans l'ambiance et c'est quelque chose que j'apprécie fortement. Voilà, du coup c'était La Momie sur PlayStation 1. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt, soyez sages, ciao !